Bienvenue à tous les apiculteurs en herbe sur Qui Miel me suivent. Nous sommes de retour pour la deuxième visite de nos ruches nouvellement installées. Si vous pensiez que l'apiculture était une affaire de patience, détrompez-vous car il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant à découvrir. Le but de notre visite d'aujourd'hui est de vérifier si nos abeilles ont commencé leur travail royal, l'élevage de nouvelles reines. Nous rechercherons des signes de cellules royales en construction, aussi appelées amusettes. Ces amusettes sont l'ébauche de cellules spéciales où les abeilles élèvent les larves qui deviendront les futures reines. La recherche de ces amusettes peut être un défi, mais c'est aussi l'une des parties les plus passionnantes de l'apiculture. C'est un signe que notre colonie est en bonne santé et qu'elle prépare son avenir. En voyant ces cellules, nous aurons un premier aperçu de la prochaine génération des reines de notre ruche. Alors, préparez-vous à immerger dans le monde fascinant des abeilles où chaque jour apporte de nouvelles découvertes et expériences. C'est parti, Qui Miel me suivent et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos aventures et en apprendre toujours plus sur l'incroyable monde des abeilles. C'est parti! Alors, coucou, deuxième jour que les ruches sont arrivées, on est en fin de journée. C'est pas l'idéal de faire les visites en fin de journée parce que toutes les bitumineuses sont rentrées, mais voilà, c'était comme ça, comme je voulais avoir mon caméraman, enfin ma caméraman. Du coup, j'ai dû attendre qu'elle rentre et donc on est en fin de journée. Donc, on va ouvrir nos ruches, jour 2, donc, voir si tout va bien et voir si... S'il y a déjà des ébauches de cellules royales. Allez, c'est parti. C'est beaucoup plus calme qu'hier. Hein. La différence est vraiment flagrante. Hier, elles étaient super excitées. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus calmes. Avec le changement de lieu, etc. Donc, on va vérifier. Je vais faire de la place. Ils ont déjà propolisé. Regarde quand elles font les ponts comme je te disais. Elles s'accrochent par les pattes, c'est trop mignon. Bon allez les filles. Désolée de vous détacher, mademoiselle. Oh ouais. On va aller voir si elle commence à retirer. Bon, en tout cas, elles sont bien dessus. Donc, elles sont au boulot. Elles n'ont pas encore vraiment commencé leur job là, d'étirement, mais elles sont dessus quoi. Elles ont commencé ici à construire entre des ponts là. Ouais, chouchou. On va pas les laisser faire de trop. Bon, je vais pas trop les déranger parce que comme elles sont en période de stress vu qu'elles ont pas de reines. Hop.
Alors. Ah, regardez là. Tiens, il y a déjà une amusette qui est close. Ah non, elles sont en train de la construire. Tu vois là en bas? Oui. Donc, je vois qu'il y a de la gelée royale dedans. Elles sont en train de... Ouais, elles sont en train de nourrir. On voit la larve. Je sais pas si tu arrives à la voir. Mais dans le fond de la musette, là, on voit la petite larve dans la gelée royale. Donc, elles sont en train d'en construire deux. Au moins, là. Tu la vois? Oui, je les vois. Alors là, tu vois, il y a une abeille qui est dedans. Donc, elle est en train, à mon avis, de mettre de la gelée royale. Mais si elle sort, on voit normalement... Voilà une deuxième. Tantôt, j'ai vraiment vu la larve qui est dedans. Bon. Très, très bonne... Ça, c'est très, très bien. Super. Donc là, on a deux amusettes. On a des réserves. On a du couvain. Vous voyez le couvain qui est operculé, là? On a encore des larves qui sont pas operculées. Ça veut dire qu'elles étaient toutes petites quand on les a prélevées hier. Avant-hier, pardon. Donc ça veut dire qu'on va avoir des naissances. Là d'ailleurs, je me demande bien s'il n'y a pas une naissance en cours. Je sais pas la montrer comme ça, il faudrait que je... Ici. Là. Là je pense qu'il y a une naissance en cours. On voit que le... Tu arrives à la voir ou pas? Non. Non. Attends, bouge pas. Ici là. Mets ton doigt, ne le bouge pas. Là. Je sais pas ce que tu veux. Voilà. Là je pense qu'il y a une naissance en cours, mais... Bon, on va pas trop les déranger, hein. C'est pas grave. Ouh, j'ai du miel qui me coule sur les doigts. Enfin, du miel ou du... Oh, bref. Donc là, on avait deux ébauches. Je vais la retourner juste par acquis de conscience. Ah oui, voilà, regarde, j'ai dû malheureusement mettre mon doigt dans le miel. En essayant de vous montrer. Ah, là, on a un faux bourdon qui se balade au milieu là. Ouais bon, c'est magnifique hein, le couvain il est bien. Là il y a du pollen, donc elles ont fait des rentrées de pollen. Super. Je vais les remettre, on va pas les déranger plus que ça. On va vérifier l'autre cadre. On est plus chaud. Descends. Dis, j'ai pas envie de t'écraser, chouchou. Allez, hop, descends. Ouais. Regarde, t'as vu? Elle en a fait tomber un petit peu de nectar, là, ou de miel. Et elle est en train de le lécher. Beaucoup plus calme qu'hier. Waouh, c'est un bonheur. Alors ici, il faudrait que je nettoie les cadres un petit peu. Ah regarde, là il y a plein de rentrées de pollen. Ici. Ah bon. Ça c'est tout ce qu'elles ont rentré. Hein. Hier on a vu qu'elles rentraient beaucoup de pollen. Là. Attends. Voilà. On voit le couvain. Donc ce qui est operculé, c'est le couvain qui est fermé. Au-dessus, c'est les réserves de nourriture. Alors, est-ce qu'on a des cellules? Non. Non, pas de ce côté-ci. On va voir de l'autre côté. Hop. Non, non plus. C'est super beau. Hein. Vous avez vu comme elles sont... C'est une génétique de la mort, quoi. C'est des petits bichons. Hein. Ils sont tellement sympas. Ils s'énervent pas, il se passe. Tout va bien. Nickel. Voilà, je vais un tout petit peu gratter si je peux. Qu'elle meurt de faim, mais avec la saison, ça m'étonnerait.
c'est super lourd. Enfin, c'est beaucoup plus lourd, évidemment. Waouh, regarde, ça c'est un super cadre de miel. Oh zut, il y en a une qui s'est engluée dedans. Ah mince. Zut. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai fait une bêtise, les amis, que vous devez pas faire. C'est que je me suis mis du miel sur les mains. Et donc, du coup, ben, elles veulent le récupérer, évidemment. Bref, comme ça, vous voyez ce que c'est qu'un beau cadre de miel. En fait, donc, le miel, c'est ça. C'est quand il est fermé, comme ça. Tant que c'est pas fermé, on peut pas encore dire vraiment que c'est du miel. Ça peut être encore en processus quoi, de transformation. Bon, je vais pas chipoter plus vu que j'ai déjà fait assez de bêtises comme ça. Erreur de débutant. Hein. Voilà. Vous voyez celle-ci ici, malheureusement elle s'est un petit peu engluée dans le miel à cause de moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est les copines vont venir la lécher, etc. Donc il y a quasi aucune chance pour qu'elle décède de ça quoi. Elles vont venir la lécher, elles vont l'aider, elle va se lécher, etc. etc. Donc, d'accord. Je fume l'autre là, effectivement, tout le monde vient la nettoyer. Ah oui, voilà. Celle-ci. Tiens, je joue. Donc c'est fini pour ici. Donc on a vu deux cellules, futures cellules royales, donc génial. Donc c'est très très bien. C'est ce qu'on doit observer hein, ces jours-ci. C'est ça le but, quoi. Hein. Donc, allez, c'est parti pour la deuxième ruche. Allez, vite. Ok. Alors ici pareil, on a du couvain, des rentrées de pollen. Là il y en a une avec plein de pollen sur cette patte. Ah oui, ça va. Ouais. De la nourriture, des larves, à différents stades, super. Alors de l'autre côté. Non. Là on n'a pas d'amusette royale encore. Là, il y a du miel ici au-dessus. Non. Elles vont bien, mais là il n'y a pas de débauche. Peut-être sur l'autre cadre.
Bon, le dernier 4, je sais que c'est du miel, hein, comme tantôt, donc je vais pas refaire la même erreur. Oui. Ok. Il y a du monde. Alors. Bon, pareil, on a du couvain, on a des réserves. Ouh, il y a un petit vent froid là tout d'un coup. Elle rentre du pollen. Ok, super. De l'autre côté, le cadre il est beaucoup plus jeté. Tiens, là il y a un monsieur qui se promène. Non. Ici on n'a pas des bauges encore. Ou alors j'en vois pas. Non. De cellule royale. Cette deuxième visite, c'est plutôt positif, hein. Les deux ruches vont bien, il y a de la vie, il y a de la réserve, il y a de la ponte, enfin en tout cas de la ponte de l'ancienne reine. Ici on a déjà deux ébauches de cellules, ici encore aucune, dans la ruche verte, donc on va suivre de soi, suivre de près tout ça pour être certain qu'elles élèvent bien une reine. Et si pas, on trouvera des solutions. Voilà, bon ben, à demain. Salut !